Un pote, c'est un groupe de personnes qui s'entraident pour donner de la visibilité à leur publication. En fait, c'est plus pour truquer quelque part l'algorithme LinkedIn que les gens sont organisés pour partager le lien de leur publication afin de générer rapidement ou de l'interaction type like, réaction ou des commentaires. Alors, on peut le faire manuellement ou avec des outils. Manuellement, bah, en fait, on va utiliser une messagerie type WhatsApp, type SMS, type ce que l'on veut, un Slack, dans lequel on va s'organiser et puis on va publier le lien de notre post à l'ensemble du groupe pour qu'ils aillent sur LinkedIn pour le commenter, le liker. Là, on est dans une dimension manuelle. Et puis, il y a des outils d'automatisation avec des extensions Chrome qui font que, on peut mettre son lien dans l'outil d'automatisation et tous ceux qui sont dans le groupe vont automatiquement, et je vais même dire sans le savoir, liker ou commenter. Alors le like, c'est juste un clic. Par contre, le commentaire, il peut même être pré-rédigé. Et là, on voit des aberrations où on va voir super, bravo, merci, j'en parle à mon réseau, je partage à mon réseau, je partage à mon réseau. Un ensemble de commentaires qui n'ont aucune valeur intrinsèque et qui dégradent même, en fait, la publication d'origine parce que les commentaires générés n'y apportent pas de valeur. Et on voit qu'il y a un problème. Et ça se voit de plus en plus. On peut y voir deux choses. Soit c'est bien fait. C'est une stratégie, et j'ai envie de dire, on ne parle plus de pod, on parle de stratégie, et là, ça peut être bien fait, ça peut apporter vraiment de la valeur, parce qu'il y a une construction, et c'est un petit groupe de peu de personnes, et que la ligne édito est cohérente pour chacun quand ils vont aller commenter la publication d'origine. Au pire, on est dans du spam. Chaque fois qu'on va faire une interaction, ça va remonter le contenu et le commentaire dans le flux de notre réseau. Notre réseau va avoir des commentaires bas de gamme qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Et le pire que j'ai pu voir, c'est des gens que je connaissais qui étaient en train de commenter ou de liker des contenus qui faisaient la promotion de jeux d'argent. Quand je leur ai demandé pourquoi ils le font, parce que ça me paraissait bizarre par rapport à leur ligne édito, en fait, ils m'ont dit, mais non, j'ai pas fait ça. Mais si, ils l'ont fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont testé une extension, ils ont testé un outil, ils ont oublié de le désactiver et l'outil les a gardés en mémoire leur profil et à continuer à l'utiliser systématiquement pour promouvoir des jeux qui sont à la limite de la légalité. Alors, les outils qui sont utilisés, que je connais, alors on va les citer, mais parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, il y a Alcapod et il y a Lempod en fait qui permet d'automatiser. Si je prends l'exemple d'Alcapod, ils viennent de le fermer. Ils ont trouvé que les utilisateurs avaient abusé de l'usage et étaient devenus des spammeurs. Enfin, ça jouait à la Spider-Man, c'est grand pouvoir, grande responsabilité, donc ils ont décidé effectivement de le fermer. Alors, on peut le voir positivement. Maintenant, c'est une extension Chrome. LinkedIn fait la chasse à toutes les extensions et peut-être qu'ils se sont fait repérer. Ils sont passés au-dessus du radar, comme on dit. Et donc, ils ont anticipé le fait qu'ils allaient se faire bloquer. Je vais vraiment distinguer les extensions, l'automatisation et le mauvais usage de l'outil d'une stratégie collective de mise en avant d'un contenu. C'est intéressant, cette notion de pod, mais moi, j'appelle plus ça un pod, j'appelle ça une stratégie. On est une équipe. On a des clients entre eux, on a une ligne édito cohérente entre différents acteurs. C'est intéressant de s'entraider à créer cette communauté, à l'alimenter en allant commenter. Oui, ça va également favoriser l'algorithme, ok, mais c'est surtout de créer de la valeur ensemble. Ça, c'est une stratégie, c'est intéressant. Maintenant, d'utiliser systématiquement un pod, ce n'est pas pérenne. Vous dépendez d'un outil. Le jour où le pod meurt, vous n'avez pas créé une communauté, vous n'avez pas créé de l'interaction, vous n'avez pas créé de l'engagement, j'ai envie de dire un peu naturel. Et donc, vous dépendez d'un outil. Parce que quand la techno disparaît ou est bloquée, parce que LinkedIn veut aujourd'hui fait la chasse à ces outils-là, bah vous prenez le risque de disparaître. LinkedIn a un enjeu majeur à maîtriser tous les comportements sur sa plateforme. Il est clair que si le côté bourrin par les commerciaux en automatisation, si le côté bourrin en automatisation pour essayer d'avoir le maximum de visibilité parce qu'on a un compteur du nombre de vues qui va flatter notre ego et qui va faire qu'on va se faire une décharge de dopamine à chaque fois pour jouer je dirais, au buzz et avoir ce côté paillette qu'on peut avoir sur LinkedIn. Il y a un moment donné, si ça prend trop d'importance, les gens vont partir de LinkedIn. Viadeo a laissé ouvert à l'époque le spam commercial, ça les a un peu tués. Si le réseau a diminué sa valeur à travers les comportements, le réseau perd de sa valeur et les gens s'en vont. Et ça sera la porte ouverte à un concurrent. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment,
Mais LinkedIn n'est pas non plus pérenne ad vitam aeternam. Donc il y a un risque de toute façon pour LinkedIn à bien maîtriser les comportements, d'autant plus qu'en fait, LinkedIn n'a pas un revenu qui vient de la pub. LinkedIn vend des solutions aux entreprises. Si les entreprises ne trouvent plus les candidats parce qu'il y a la solution Talent Solution pour les RH, s'il n'y a pas de candidats parce que les gens sont partis, il n'y a plus de licence. Donc les entreprises ne seront plus clientes de LinkedIn et ça va leur poser un problème par rapport à leur business model. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans LinkedIn? Ça, c'est une très bonne question. C'est quoi LinkedIn en fait? C'est juste pour moi un outil qui permet de se connecter avec d'autres professionnels et de développer des relations humaines professionnelles. Un monde sans LinkedIn, on peut tout à fait l'imaginer. Il y aura un remplaçant à LinkedIn, il y aura un autre outil, il y aura un autre moyen de se connecter digitalement parlant avec son audience. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, un monde sans LinkedIn, vous avez l'email marketing. L'email reste le meilleur levier marketing et l'email est un excellent média. C'est aussi une communauté que vous avez. C'est aussi un média social que vous maîtrisez. Et là, on est agnostique du réseau, de la techno, parce que l'email, ben, on peut le lire sur toutes les plateformes. Est-ce qu'un monde sans LinkedIn est possible? Ben oui, tout à fait.